Vous, Madeleine, alors vous gardez la parole. Si tu l'amour, c'est pour parler, c'est une expression qui revient un peu sur ces petites choses-là qu'on observe très souvent et qui viennent un peu détériorer, dégrader, gâter les relations amoureuses. Vous, vous êtes mère, vous êtes grand-mère, vous êtes femme. Arrière-grand-mère, félicitations. Alors, qu'est-ce que vous observez autour de vous? Vous voulez agir en tant, vous voulez parler en tant que belle-mère, en tant que belle-fille, en tant que belle-sœur, en tant que mère, belle-mère. 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 D'accord. Les filles d'aujourd'hui, comme je vous parle là, je ne vous sais pas. Quand tu vois ta belle-fille, quand elle vient à côté de toi, vraiment, elle peut même te laver. Quand tu veux te tourner comme ça, belle-mère, non, arrange comme ça, elle te prend bien, très bien même. Mais quand elle arrive déjà. Jusqu'à elle voit déjà que parler encore là. Elle ne vous gère plus. Elle ne vous gère plus. Bon, chez moi, j'ai beaucoup de hommes. La femme de mon fils doit avoir 5 enfants, 6, avant qu'on va, lui demander que tu es où. Parce que tu es déjà fat. Qui doit encore te chercher? Personne ne peut plus te chercher. Donc, je dis aux jeunes garçons d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui ne sont pas bien. Elle vient en frattant toute la famille, ta tante est où, ta cousine est où, elle va poursuivre toute la famille, chercher. Jusqu'à le gars va dire que ouais, j'ai trouvé aussi ma part. J'ai marché jusqu'à j'ai trouvé ma part. Après, elle devient le lion. Ah, vous parlez de à leur arrivée. Donc, quand elles viennent d'arriver, elles sont gentilles, elles sont... Tellement gentilles jusqu'à... comment? Elle est gentille jusqu'à... Il n'y a pas moins. Quand tu es là, elle dit... Ta belle-mère où? Elle est où? Tu veux te laver? Elle prépare la nourriture, même si tu ne, le fils ne rationne pas. Elle-même rationne, elle prépare, elle vient te donner. Tu vois ton fils, tu dis que oh, Dieu a donné pour nous. Attends alors qu'elle arrive, qu'elle voit déjà qu'elle a déjà le droit d'être la femme de ton fils. Ah, mof. Elle va te traiter de tout. Bon, moi, je parle pour moi. Moi, je dis toujours à mes enfants que si tu veux prendre une femme que tu dois vivre avec lui, il faut au moins 6 enfants. Parce que le 6 là, elle est déjà fade, elle va aller encore où? Mais votre fils sera heureux d'être avec une femme qui est fade quand même. Si, enfin, quand vous dites fade. Non, parce que après, n'est-ce pas, quand elle vient bien. Tu vois, non, quand elle a déjà un enfant, elle veut déjà. Elle gâte toute la famille. La belle-sœur n'est pas avec elle, la belle-mère n'est pas avec elle. Donc sa belle-famille n'est pas avec elle. Vous comprenez bien, non? Dans, il appelle déjà les démons, la belle-mère démon, diable, vampire. Et pourtant, le jour quand elle venait. La belle-mère n'était pas vampire. Donc, elle était bien avec elle. Mais pour finir maintenant, quand elle a déjà un enfant, elle est au-dessus d'argent, elle a déjà l'alliance en main. Non. Vous tous, toute la famille de l'homme est devenue vampire. Mais si tu mets déjà 5, 6, elle va aller trouver qui? Elle est fade pour son mari. Mais si elle est déjà dehors, qui va la chercher? Personne. Celui qui doit la chercher, c'est quelqu'un qui a bu le fofo, qui ne voit pas, qui lui cherche la qualité là. Je vous dis la vérité. Merci, Simon. Vous êtes aussi une femme, vous avez une expérience mère de 5 enfants. Justement, c'est le chiffre 5 et 6 aujourd'hui qui semble. À l'honneur. Ouais. Et vous alors, vous pensez quoi de tuer l'amour? Non. Pour vous en tant que femme? Oui, honnêtement, il faudrait qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. J'ai suivi l'intervention de Madeleine. Je peux comprendre, hein, lorsqu'on met l'accent sur la position. Et sur, si on essaie de revenir sur l'histoire et on la positionne par rapport à l'histoire, vous allez comprendre ce que je veux dire. On va comprendre que c'est la réaction, mais honnêtement, je crois qu'il est important qu'aujourd'hui, on essaie de regarder les choses objectivement. On essaie de se rendre compte que la société voudrait qu'on adopte des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de faire. Moi, j'ai entendu la mère vous dire il faudrait que son fils donne 5 ou 6 enfants avant d'épouser. Mais ce que je rappelle souvent aux belles-mères, c'est que de la même manière, il faudrait bien qu'on se le dise, même si ça fait mal, de la même manière que vous aviez souffert pour donner naissance à votre fils, rassurez-vous, c'est de la même manière qu'une autre femme a souffert pour donner naissance à sa fille. Et généralement, lorsque ces deux se rencontrent, l'expérience l'a prouvé, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est-à-dire, votre fils, je ne sais pas où il se rencontre avec Y, on ne sait pas ce qui l'amène à rencontrer X ou Y. Il commence à fabriquer ce qu'il fabrique là-bas. Vous allez vous rendre compte qu'en ce moment, il n'y a personne.
Maintenant, je peux comprendre que le contexte africain voudrait qu'on intègre les familles. Tout à fait. Mais attendez, Julie, il ne faudrait pas que ce soit la femme seule qui intègre la famille de l'homme. Parce que la femme devrait intégrer la famille de l'homme. Je peux être d'accord. J'ai bien dit, je peux. Mais il faudrait aussi que l'homme pense qu'il devrait également intégrer la famille de la femme. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle de mariage? C'est un cloisonnement de deux familles. Mais malheureusement, on a souvent l'impression que c'est la femme qui entre dans une famille et elle devrait mettre tous les mécanismes en jeu pour se faire accepter. Mmh. Et c'est à ce niveau que je commence à dire, mes chères mamans, mes chères belles-mères, arrêtez-vous un instant et sachez que c'est une union d'efforts qui doit être mêlée pour que l'un et l'autre soient acceptés de part et d'autre. Parce que de la même manière que la femme a une belle-mère, il faut toujours vous rappeler que le garçon également en a, ou alors en aura une belle, une belle-mère. Donc c'est un équilibre sociétal qui doit être construit pour que le ménage dure toujours. Alors vous donc qui êtes une femme... Je vais raconter une petite scène à Madeleine pour qu'elle comprenne. Vraiment, j'insiste encore en disant, je suis souvent très choquée d'entendre les femmes dire « c'est pour les enfants que j'y suis ». Il faudrait bien qu'à un moment, on s'arrête et qu'on leur dise « on ne s'est pas marié pour les enfants ». Vraiment, on ne s'est pas marié pour les enfants. Oui, même si on a une société africaine. Oui, vraiment, parce qu'il y a eu un amour dans la mer. Oui, il n'y avait pas si d'enfants en santé. C'est ce que je veux dire. Lorsqu'il m'a croisé. Non, c'est pas ce que je dis, maman, écoute. Lorsqu'il m'a croisé en chemin, je n'avais pas d'enfants. Et tu as vu ces mamans rester comme ça? Non, c'est pas ce que je dis. Ça veut dire qu'il m'a aimé, il m'a observé, il a aimé quelque chose et on s'est mis ensemble. Mmh. Alors, il y a déjà ce lien-là qui est entre nous. Il n'y a pas d'enfant. Parce qu'aujourd'hui, Julie, faites le tour dans des maisons, des femmes se meurent à petit feu sous prétexte qu'enfant. À un moment, arrêtons-nous et prenons des bonnes décisions. Quand ça ne va pas, on prend des bonnes décisions. Il faudrait bien qu'on le fasse. Maintenant, vous voyez, Madeleine Mamadou vous dit, il faudrait bien que ma belle-fille, elle insiste là-dessus. Ma belle-fille doit me prendre bien. Moi, j'ai envie de dire... Elle te prend bien comment? Puisque la belle-fille, quand elle vient chez vous, elle vit avec son mari. Oui. Et moi, je crois que ce qui intéresse la belle-mère, c'est quoi? C'est que qu'elle regarde... Il y a des belles-filles qui font même 6 mois. Maman, permettez. 6 mois, elle ne veut même pas te rendre visite. Oui, même 6 mois. Elle ne rend pas besoin si tu n'es pas malade. Si tu n'es pas malade, non, je vous en prie. J'ai besoin de ma belle-fille. Non, non, je vous en prie. C'est ça, c'est bonne fille que Dieu lui a donné. Non, je vous en prie. J'ai besoin de ma belle-fille. À chaque moment. Non, permettez que je m'exprime. J'ai besoin de ma belle-fille. Maman, n'oublie pas aussi qu'elle a sa famille, qu'elle doit s'occuper de la future. Mais elle a 6 mois sans voir sa belle-mère. Non, je vous en prie. Si nécessaire, si nécessaire. Il ne faut pas qu'elle se déplace. Non, la porte, c'est vous qu'elle est épousée. Permettez que je m'exprime, honnêtement. J'ai dit, n'est-ce pas, j'aime ma belle-fille comme ma propre fille. Alors, tu vas chez elle lui rendre visite? Non, non, mon respect vient où? Voilà. Non, c'est moi qui quitte aller là-bas. C'est effectivement. Vous pouvez, maman. Ça, c'est des vous pouvez aller lui rendre visite. C'est des orgueils. Alors maintenant, vous comprenez le problème. Dans le respect. Dans le respect, n'est-ce pas? Dans le respect. Là, elle s'impose. Je peux aller dans ses bras. Dans le fond. Vous voyez son fils. Voilà le problème. Pardon, parce que je vais rendre visite à mes Je peux faire un enfant avec ma belle-enfant. Si elle se porte bien, je vais se régler. Imaginons réguler là-bas. Mais plutôt, c'est ma belle-fille qui serait régulée chez moi. Parce que quand elle vient même chez moi, c'est moi qui paie. Je vais faire quoi? Puisqu'elle a une maison à gérer. Non, en venant, c'est pas une maison à gérer. Ta belle-mère, si elle a votre fils qu'elle doit prendre soin. Je vous dis, quand l'homme vient et que la femme dit que je viens chez la mère, même s'il y a toi dans son cœur. Maman, je n'irai pas tous les jours. Je vous ai demandé de venir tous les jours. C'est ce que je dis. Et maintenant, vous aussi, quand vous voulez me voir, vous pouvez venir. J'ai dit, dans un mois pour toi, c'est au moins 3 fois. Attends, vous fixez un programme? Quoi, oui. Non, je ne le ferai pas. J'ai envie de toi. Non, je ne le ferai pas. Si tu me dis vous venez me voir. Non. Je vous envoie de l'argent, vous venez me voir. L'argent, c'est quoi? Vous venez me voir. Je t'ai marié pour l'argent. Elle a besoin de sa belle fille. Elle peut aller chez son beau-fils. Non, je suis en train de dire. Moi, je parle une fois, maman. Parce que quand tu vas aller, moi, une fois. Parce que les petits enfants, ils ont l'argent. Chaque fois que tu seras merci de belle fille, a dit que. La belle-mère vient gâter comme ça que le mariage. Mieux que c'est toi-même qui viens me voir. Non, tu es chaud. Je vous ai dit aujourd'hui que les filles d'aujourd'hui, je vous parle la vérité. Vous serez maman comme moi. Mm-hmm. Et les filles, quand tu vois que je tu dis que ça là, ce n'est pas bon. Il est venu me commander chez moi. Oui, maman, commence d'abord. Essaye d'abord. Essaye d'abord. Si tu te prends comme ça, tu fais comment?
Bonsoir, moi c'est Madame Kamdem. Je suis très choquée par la réaction de Maman Madeleine. Elle-même est une femme ayant des filles qui auront également des belles-mères. Si un instant la belle-mère de sa fille se comporte comme elle, elle va jusqu'à dire qu'une femme est fade. C'est horrible venant d'une femme. Dis-lui que même avec 7 enfants, on peut se remarier. Je suis choquée. Jamais. Oui, je suis d'accord. Bonsoir au panel, oui, elle trouve que... Elle ne peut pas prendre. Mais attendez, Madeleine, ça fait... Quand une femme, on sait que porter une vie quand même, on donne aussi beaucoup de son énergie. Quelque part, il y a des séquelles. On a beau se battre comme on peut, mais après... Les femmes amènent l'argent affiché. Il y a les autres qui arrêtent à 30 ans. La monopause les arrête à 30 ans. Oui. Hein? Oui. Bon, à 7 ans là maintenant, là, peut-être l'on va te prendre en voulant faire l'enfant avec toi. Et que tu es déjà au monopause. Et pour toi quoi? Il y a même des hommes qui prennent des femmes qui n'arrivent même pas à faire des enfants, mais qui les aiment. Ça, il faut le savoir. Le mariage est un enfant. Le mariage est un enfant. Le mariage est un enfant. Le mariage est pas l'amour. Non, non, non. Arrêtons ça. Le mariage, c'est un homme et une femme. Les enfants, non, l'amour. Il ne se bat pas. Mais le mariage, c'est quand vous avez d'enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, pas forcément. Mais si la relation se sépare, merci. Non, je n'ai pas parlé de ces enfants. Merci à vous, madame. On continue les messages, Madeleine. Je vous fais un dernier avertissement. Parlez en français. Plus de langue vernaculaire, plus de... Oui. Non, ça m'énerve même le patois, mais je comprends. Ça promet d'être chaud ce soir. Hein. Quand je m'énerve le patois, soi-même, je ne comprends plus. Je te dis. Parce que je suis déjà habitué avec mon patois. Mais donc quand je suis énervé comme ça, le patois vient. Tu n'as pas à t'énerver. On est là pour ce que les filles font aujourd'hui, là, ce n'est pas bien. Mais après, tout le monde ne comprend pas votre langue maternelle. Maman, il ne faut pas être énervé. Vous parlez aussi. Il ne faut pas être énervé. Bonsoir.